Et bonjour à tous, c'est Eni, on se retrouve aujourd'hui pour cette 41ème partie de l'aventure sur Pokémon Glazed. Aujourd'hui, il risque de se passer des choses, parce que déjà on a cette arène à faire qui est la dernière arène de la région de Rancor. Et puis en fait, dans la même ville, il y a le Soul Stadium, donc on va rencontrer le champion de la région de Rancor. Donc il risque de se passer pas mal de choses. Je sais pas si ce sera le dernier épisode, il y a des chances quand même que ce soit le dernier épisode. Donc on verra à la fin, je ferai un petit bilan de l'aventure et tout le tralala. Enfin bon, en attendant, allons-y. On va laisser Togeki s'en premier, en plus il a un peu de retard au niveau des niveaux. C'est parti, alors on va parler à ce mec, j'imagine. C'est lui, Makunouchi, je sais pas quoi. Alors bienvenue à l'arène de Makunouchi. Les challengers qui souhaitent combattre doivent battre les meilleurs combattants dans un match. Est-ce que tu es prêt pour... Ok. D'accord, c'est pas lui Makunouchi, hein. Dans le cercle rouge, nous avons le champion en cours, invincible, l'intimidant, l'ultimate boxeur au monde, Muhammad. Bon, ça va être une référence à Mohamed Ali, je crois. Parce qu'il me semble qu'il s'appelle Muhammad aussi, parce que c'est son nom arabe, quoi. Bref, et dans le cercle bleu, qui pèse 110 pounds, le jeune champion en devenir, Lucy. Ok, on a quand même été applaudi, super. Round 1. Ah, mais est-ce qu'il y aura plusieurs rounds? Ah ouais, d'accord, ce sera, on doit faire plusieurs combats, t'imagines? Ce serait marrant. Oh ok, il fait un peu peur. Hein. T'imagines une petite fille contre un mec, ils se battent en vrai. Ce serait un peu bizarre, ce serait un peu con. Hein. Enfin bon. Bon, j'espère Psycho ça va les mettre KO, parce que si je dois en faire vol pour les mettre KO en face... Mais bon, ça devrait aller, je pense. Et bim. En plus, là, il va gagner en attaque spéciale, je pense. 3 PV, très bien. J'attendais que ça. Je n'attendais que ça. Bon, toi, il va avoir... Kikli, maintenant il a déjà eu Kikli Tignon et après Capoeira, il y a très probablement. Ah ouais, non mais qu'est-ce qu'il est relou lui. Avec son détection qui casse mon truc, surtout que j'ai pas 20 000. Pas 20 000 attaques pour le psycho. Ah ouais, j'espère qu'entre les combats il va y avoir des pauses. Hein. Je sais pas si je peux me soigner ou quoi, mais. Ou qu'est-ce qu'il a voulu me faire. Je sais pas si je peux me soigner, mais bon. J'espère qu'il va y avoir des pauses, comme si c'est trop, je dois enchaîner tout. Peut-être plusieurs redresseurs et après le champion, ça va être chaud. Mais bon, ça va le faire, vous en faites pas. Ça va le faire, facile, les doigts dans le nez. Même les doigts dans le nez, on y arrivera bien. Oh non, toi, lui m'a saoulé avec ses détections, ça y est. Le gars qui a aucune patience. Oh, calme-toi, faut que j'arrive. Allez, Capoeira. Je sais pas si c'est le seul, parce que là, il le présentait comme le plus fort, l'invincible. Du coup, je pense que ça va être le seul gars à affronter avant d'affronter Makunouchi. Mais du coup, c'est pas top parce que je sais pas si on pourra se soigner. Parce qu'ils se disent, il y a juste un combat à faire, du coup, on va les faire tout enchaîner. Mais à Psycho, j'ai déjà plus de PP. Hein. J'en suis à 4. C'est parti vite. Hein. Oui, merci. Applaudissez-moi. Je sais pas si vous avez entendu les applaudissements. Le Upstart a le débutant a du potentiel, mais il a toujours 2 rounds. Oh non, ça m'a saoulé. Ouais, 2 rounds. Je sais pas si on va devoir faire 3 rounds. Oh là là. Ah ok, mais il sort des Pokémon de plus en plus nuls en fait. D'accord, j'ai compris le truc. 1722. Attends, ce qu'on va faire, que ce soit plus rapide. On va mettre Dracolos, on va faire aéropiquer. Là au moins pas besoin de faire de vol. Ce sera tranquillement. Sans se poser de questions. Mais du coup je me dis. Est-ce qu'il y aura un troisième round? Parce que si je lui mets 2-0, 2-0, il n'y a pas besoin de faire un troisième round, il peut pas mettre, il peut pas me battre. Quoique, je ne sais pas s'il y aura 3 rounds, en fait, je suis parti dans l'idée qu'il allait y avoir 3 rounds, mais ils l'ont dit, non? Je sais plus. Ils l'ont dit ou pas? Je sais plus. Enfin bon, ouais, ça devrait aller aussi, je pense. Oh, ça, j'aimerais trop avoir ce Pokémon, je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup. Je l'ai jamais eu, pourquoi? Mais je l'aime beaucoup. Du coup, j'aimerais bien en avoir un, mais bon, bah, pas dans cette aventure, c'est un peu trop tard, mais qui sait. Peut-être dans Pokémon Zeta, on sait jamais. Je sais pas si on pourra en rencontrer, mais ce serait cool. J'aimerais bien. Les Pokémon de combat, j'aime beaucoup ça. Je sais pas pourquoi. C'est parti de mes types préférés depuis peu de temps pourtant. Mais depuis peu de temps, c'est parti de mes types préférés avec l'électricité et le psy. Enfin bon, 3 types préférés, ça fait beaucoup quand même. Pente. Hey, tu t'es fait battre par une petite fille, la honte. Je ne peux pas y croire, je n'ai jamais vu Mohamed si pâle. Est-ce qu'on a trouvé, on aurait trouvé un nouveau champion? Plus qu'un dernier round. Ok, il nous fait faire quand même son dernier round. Donc là, on va mettre Togekiss, mais après on va mettre Dracolos parce que...
Ok, il a de plus en plus de Pokémon en fait. On va mettre en couleur après parce que je suis plus rapide avec Aéropiqué. Bon, même si on n'est pas pressé particulièrement. Hein. Mais voilà, c'est plus rapide quand même. C'est quand même plus agréable. Surtout qu'on aura sûrement un dernier gros combat à faire contre Soul, qui est le champion. Il y a un Soul Stadium, la ville à côté. Oh là là, ça va pas faire mal du tout normalement. Ouais, je suis fait vol donc je résiste plutôt correctement. Voilà. Attends, mais si je l'ai pas mis KO avec vol, Rakulos il va pas le mettre KO. Ah, quoique il est bon en attaque, je crois. Enfin bon, on va voir. Ouais, le Soul Stadium ça a l'air d'être mince. Bon bah c'est pas grave. Ça a l'air d'être un truc plutôt joli de l'extérieur. Quoi? Je suis mis un ferro-singe. Tu me manques de respect. Tu crois que je peux pas battre mieux qu'un ferro-singe? Ah, que ça m'énerve. Bref, le gars qui s'énerve sans aucune raison. Normal. On va mettre Dracolos. Galam. Ah, ça rigole plus. Enfin, ça rigolait pas déjà, donc ça rigole encore moins. Allez, Dracolos, je compte sur toi. C'est dommage que Dracolos, il est pas dans Slam parce que. Avec séisme, colère et repiqué, il pourrait être pas mal. Et c'est quoi l'autre attaque qu'il a? Attendez, il a une autre attaque. Il a trois. Ah, hâte. Ouais, bon, c'est toujours cool, hâte, mais bon. Une petite dans Slam, ça aurait pas fait de mal non plus, hein. Franchement. Voilà, là, vous voyez, sans dans Slam, déjà, il fait des super trucs, mais avec un dans Slam, il serait invincible, mon petit Pokémon. Ah, Chestnut, c'est. Troisième évolution de la sixième génération. Moi, ce mec, quand je l'ai vu. Enfin, ce Pokémon, pardon. Quand je l'ai vu, il me faisait trop penser à un personnage dans Sonic, le docteur Eggman. Je crois que c'est bien ça le nom. Voilà, ça me faisait trop penser. Il a des jambes super courtes. Il a un gros ventre, on va dire. Bon, là, c'est pas trop son ventre, mais il a une partie du corps haute qui est grosse. Voilà, mais du coup, ça me faisait trop penser à ça. Bon, bien sûr, au niveau couleur, c'est pas du tout ça, mais dans le principe, je sais pas si vous avez eu la même réflexion. Je sais même pas si vous voyez de qui je parle. Parce que oui, je ne joue pas qu'à Pokémon, j'ai quand même joué à d'autres jeux. J'ai joué à Sonic sur Dreamcast, je sais pas si vous connaissez cette console. Je suis sûr que si je la revends, je peux me faire plein d'argent. Mais c'est une vieille console, vieille console, pas aussi vieille, il n'y a pas des jeux avec 2 pixels, genre Tetris ou des trucs comme ça. Pas si vieux que ça, il y a des bons jeux quand même dessus, enfin bons jeux. Ça reste compliqué de dire bons jeux quand même, mais voilà, il y a des bons trucs quand même. Bref, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, c'est tout. Mohamed a été battu par le contender, c'est le challenger Lucy. Mais le soir vient juste de commencer, enfin la soirée vient juste de commencer. Makunouchi lui-même est ici et il veut donner au jeune champion. Voilà, il veut donner son argent. Ouais, ok, je commence quand je suis prêt, ouais, salut, moi je me tire. Enfin, je reviens dans 2 secondes. Hein. Mais je vais me soigner, parce que là ça va être compliqué. Parce que ça va être très compliqué, voilà. Il n'y a pas d'explication, ça va être compliqué, hein, arrêtez un peu. On va mettre directement, mince. Oh bah tiens, je vais lui donner... mince, mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Give, je voulais lui donner... Ah, mais c'est peut-être Togekiss qu'il a. Je voulais lui donner le truc qui augmente la puissance du poison, enfin du type vol, pardon. Je cherche quoi déjà, je sais plus du coup. Du coup, je vais lui donner ça. Mince, je vais le mettre en premier tout de suite, je vais oublier après. Du coup, on va essayer de pas mettre ses tirs nocifs déjà parce qu'il va nous embêter avec ses tempêtes de sable et puis il va rien faire contre le type combat, il va pas faire grand chose. Hein. Ah, mais non, mais d'accord, il est derrière. Oula, je l'ai pas vu. Ah, oui, avec son Makunouchi Shiny, ok. C'est un plutôt bon combat, gamin. Mon nom est Makunouchi. J'ai utilisé. Avant. J'étais personne et je me suis entraîné. Je me suis entraîné dur et j'ai ma propre arène. Ils disent que je suis le plus fort dans Rancor. Tu ne me crois pas? Bien, combattons. Ah, écoute, je sais pas si c'est le plus fort, mais. Bah, quoique, il y avait quoi d'autre? Un petit psy. Ah, contre le petit psy, t'aurais rien pu faire. Oh, il est plutôt joli, il est bien fait. Franchement, il est bien fait. Ouais, contre le petit psy, t'aurais rien pu faire, mon pauvre. Hein. Enfin, je pense pas. Allez, tu me fais que des one-shot, hein. Dracolos, ok. Bon, ok, bon, bah, ça commence mal. Ça commence assez mal. Oh, bah lui, bah, prends, tu te dépêches de le mettre KO. Il y a quoi? Ils ont tous des restes? T'es sérieux? Bon, au pire, là, il se soignera pas. Hein. Il lui reste assez de vie, il va pas se soigner. Parfait. Ah, ce que j'aurais dû faire, c'est une petite hâte. Comme ça, je suis sûr d'être
le plus rapide à chaque fois. Ah, j'aurais pu le faire, j'aurais dû le faire. Ah, lui, il me fait peur. Vraiment. Non, attendez, juste lui, je vais changer, il me fait peur. Je préfère mettre lui. Enfin bon. Je vais voir si j'ai pas des attaques plus, des trucs comme ça. Je suis sûr, j'en ai. Attends, pourquoi j'accélère? Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est dans sac. Est-ce que j'ai des trucs comme ça? Je crois que je m'en suis débarrassé parce que c'est le truc on se dit, je vais jamais utiliser. Je sais même plus comment ça s'appelle en anglais. Non, j'en ai pas apparemment. J'ai pas l'air d'en avoir. Les psychos. Oh, j'aurais pu lui faire un petit charme en plus. Là, j'aurais été vraiment assuré de pas craindre grand chose. Ouais. Ah, presque. Là, il va se soigner. Oh, bien. Au prochain coup, mes KO. Donc, même s'il soigne. Aïe, aïe, aïe. J'avais plus pensé que les Pokémon combat, effectivement, pour avoir des points feu, des points glace, des points tout tralala. Aïe, j'y avais plus pensé. Bon, il va sûrement se soigner, mais bon, normalement, on devrait le mettre KO. Puis, de toute façon, on attaque deux fois, au pire. Ouais, il se soigne, on attaque deux fois, on est plus rapide. Ah ouais, c'est trop perturbant, les Pokémon combat. En fait, ils peuvent combattre plein de choses, on dirait pas, mais... Ils peuvent... Déjà, ils ont... Rien que le type combat, il a plein de super efficacité. Acier, roche, type normal. Glace. Ténèbres. C'est déjà pas mal. Et sachant qu'ils ont aussi les points, là, les... Tout ce qui est point glace, point tonnerre, point éclair, pardon. Et donc, c'est vraiment un bon plan, les Pokémon de combat, franchement. Mais c'est fou que c'est autant de super efficacité. Et c'est en plus, ça craint, au final, pas tant de choses que ça. Ça craint le vol, ça craint le psy. Et franchement, ça va, sachant que le vol... Bon, le vol, ils ont vol qui est fort, rapace, ok, mais... Rapace, c'est pas non plus l'attaque que tu utilises tout le temps, donc... Je trouve que les Pokémon de combat, ils sont plutôt pas mal. Ouais, ils sont plutôt pas mal. Ah ouais, c'est fou. Ah, il me faut des Pokémon de combat. Hein. Ah, j'adore les Pokémon de combat, voilà. Je le dis. Si j'étais un champion d'arène, bon, je sais pas si je serais champion d'arène de combat, mais écoute, c'est jamais. Bon, mine de rien, on en est à... Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Des types combat, toi, maintenant, d'accord. Attends, mais le précédent, en plus, c'était qui? C'était... Non, c'était un Simiabraz, mais toi, non, t'as rien à faire là, vraiment. Vraiment, t'as rien à faire là. Il est vol sol et... Je sais pas. On sait pas ce qu'il fait là. Enfin bon, c'est pas grave, on va quand même le mettre KO. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'attaque ou on se soigne tout de suite? Je sais pas, il va se soigner de toute façon. Autant se soigner aussi. Hein. Bepécha, on en a encore un paquet quand même. Quand j'en avais acheté, bah j'en avais acheté assez. Ouais, lui aussi se soigne. Makunouchi. Ouais, j'avais dit à quoi je trouvais que ça ressemblait. Ça ressemblait au nom de famille d'un personnage de manga que j'ai vite fait lu, j'ai commencé à lire, mais c'est très long. Hein. Oh non, mais arrête, t'es relou là. Oh non, c'est chiant. Non, deux fois de suite. Oh non, bah là je me soignerai pas, je pense pas qu'il va utiliser deux fois de suite des guérisons. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il va le faire deux fois de suite? Elle a un petit coup critique? Non, pas du tout. Un petit coup critique, c'est... Bah non, plus maintenant, enfin, sauf s'il se soigne. Je lui demande de ne pas se soigner. Ouais, ok. Allez. Cascade, ok, moi, ça m'a saoulé. Je sais pas si je suis plus rapide en plus. Je sais pas si j'attaque tout de suite, là. Ok, résiste. Ouais, c'est bon, moi, pire, Non, tu vas pas mourir si je te change. Bon, on arrête d'accélérer, c'était juste là, il m'avait saoulé, Scorplane. Oh, mais ça part plus de dingue. Alors là, qui mettre? Écoute, on va mettre lui, on va lui baisser son attaque, avec charme. Ce sera déjà une bonne chose. Alors, du coup, il l'a pas gardé pour la fin, je croyais que c'était son meilleur Pokémon. Ah, il est beau quand même. Allez, charme, voilà, déjà j'attaque en premier, c'est une bonne chose. Je sais pas ce qu'il va me faire, mais s'il me fait un point éclair, tout ça, je résiste, j'en suis sûr. Allez, encore un. Je pourrais même en faire un troisième, s'il rate encore, au pire. Ah là, il pourra rien faire contre moi, regarde, il va rien faire comme dégâts. Enfin, peut-être pas, il est comme type vol, mais... Ah, j'ai résisté. Alors, psycho. Voilà, bon, je sais pas ce que ça va faire comme dégâts, mais au pire, s'il meurt... Simmer Togepis, c'est pas trop Togepis, je sais pas, je vais penser à prendre des pistes peut-être, je sais pas. Mais bon, on va mettre Dracolos.
Il va très bien se débrouiller aussi, Dracolos. Oui, non, Send Out. Je me disais quoi, je peux pas faire Switch. Mais en fait, si. Allez, tranquillement, on gagne, franchement. On se débrouille bien. J'essaye parfois de faire un petit peu de stratégie. Là, par exemple, Charme, c'était vite fait de la stratégie. Après, la stratégie contre des personnages de jeu, c'est facile. Hein. Mais contre des vraies personnes, c'est plus difficile à mettre en place quand même. Greninja, c'est en finobinant. Ouais, c'est ce que je me disais, mais... Salut, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, on lui fait de colère. On a la Bekika au cas où. On est confus. T'as bien. Oh, parfait. Pour finir, cette dernière arène de ce let's play. Bravo. Je ne peux pas y croire, c'était incroyable. Tiens, donne-moi ton ticket encore. Voilà, on n'a pas besoin de reprendre le bateau, donc... c'est toujours bien de le tamponner quand même. Ah, c'est bon. Good to know, hein. Ah, c'est bon de savoir que je peux toujours avoir un peu de change à partir de gens. En gros, il dit que c'est trop facile d'habitude. C'était 31, qu'est-ce que c'est? Oh, si c'est casse-brique, ce serait trop bien. C'est casse-brique. Attends. Oui, ok, faut que j'aille voir Soul. Attends, est-ce que... Casse-brique, attends, c'était... Voilà. Je sais pas si c'est mieux que... 75 quand même, mais c'est tout le temps précis. Je sais pas si c'est mieux que truc bidule, là. Je sais plus ce que c'est. Ah, c'est moins, c'est meilleur ça, mais c'est moins précis. Ah, et ça peut casser les barrières, tout ça. Ah, j'hésite. Non, on va laisser quand même. Ah, on va laisser 90, c'est pas mal, hein. Ça reste correct comme précision, c'est pas non plus 75 ou... Ah, on peut pas passer, d'accord. Non, franchement, si, c'est pas mal. On va donc laisser. Et puis, on va aller voir Soul, hein. Enfin, je pense qu'il y aura peut-être des combats à faire avant d'affronter le champion. En plus, c'est un stade, donc ça fait bien l'endroit où il y a plein de... c'est un gros tournoi, un gros championnat. Donc je pense qu'on va pas l'affronter directement. Bienvenue au Soul Stadium. Malheureusement... Attendez, mais je vous reconnais. Il doit être Lucie. Soul m'a dit de te mettre en haut de la liste si tu venais le défier. Est-ce que tu veux combattre Soul maintenant? Non. Oui, quand même, on va mettre oui. Ah, quoique, on aura peut-être pu faire des combats avant. Bon, écoutez, allons-y. Ah, c'est le grand moment. Le grand moment. Bonjour et bienvenue au Soul Stadium. Voilà qui entre le premier... c'est son premier combat contre Soul, Lucie. Lucie est déjà devenue célèbre en étant le champion de Tunod et de Johto. Mais est-ce qu'elle sera capable de battre Soul? Nous allons voir. Alors, Soul qui arrive... Oh, on l'avait jamais vu, mais on l'avait jamais vu, hein, c'est bien ça. Ah, il est plutôt bien fait. Soul entre dans l'arène, avec un impressionnant pédigré de victoire sous sa ceinture. Soul est devenu le champion de Sinnoh, avec son partenaire Pingoléon. Comment va-t-il se débrouiller face à Lucie? Ok, restez là, le match va commencer. Ok, donc tu es venu enfin. Je suis venu à Rancor avec le désir de trouver des dresseurs forts, comme moi. Quelques-uns sont venus, mais... Cependant, assez parlé. Il est temps de combattre. Ok, c'est parti, les amis. Notre combat final. Bon, faudrait qu'on le gagne, ce serait cool. Ah, hein. Oh, bah, encore un shiny. Notre combat final, ouais. Ok, 90, quand même. En tout cas, on a le bon premier Pokémon. Est-ce que... Oh, je sais pas s'il va avoir des méga évolutions. On a le bon premier Pokémon. Déjà, Scarino, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Ça, c'est bien. J'espère qu'il va pas avoir des Pokémon trop durs à battre, par contre. Gliscor, ah, je sais pas pourquoi ils l'ont tous, ce Pokémon. Hein. Mais quelle horreur. Hein. Ah là 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 là. On va mettre Léviator. Là, je veux pas accélérer pendant ce combat. Peu importe ce qui se passe, peu importe si je me prends des toxiques de la part de Scorvol. Non, je n'accélérerai pas. Tu n'arriveras pas à me forcer. Je vais faire un petit danse... Ah, il m'a saoulé déjà, c'est pas grave. On va pas le faire tout de suite. On a quand même notre Danzraco. Donc si on monte la vitesse, je pense qu'on devient plus rapide que lui. On est quand même pas lent de base avec Léviator, donc je pense qu'on devient plus rapide. Avec un petit cascade. Ouais, on est plus rapide. Je pense pas que ça le mette KO, mais au moins dans le orange. Et pas trop pour que ça le soit. Et pour qu'il se sonne pas. Ah, j'arrive plus à parler français, mais bon. On lui met KO du premier coup, donc c'est très bien. 5553, dis donc. Undoom, bah écoutez, on va le laisser aussi. Oh tiens, je vais en profiter pour le soigner, parce que là on craint un peu moins.
Donc on va le soigner maintenant avant que ce ne soit trop tard. Les bébés qui sont juste à côté des CT, ça c'est un truc que j'ai retenu hein, franchement. Parce que comme il y a des numéros, j'ai retenu un petit peu. Tout à l'heure je cherchais la CT caisse brique, c'est comme ça que je l'ai retrouvé. J'étais passé par les bébés du coup. Bref, mince. On se soignera peut-être après peut-être. Bon, on va le mettre KO tout de suite déjà. Ouh, allez, on se débrouille bien pour le moment. Je sais pas ce qu'il aura après, il y aura quand même un pingoléon au acier, c'est pas facile, faut se méfier quand même. Au acier, faut se méfier, t'as quasiment 6000 d'expérience. Hein. Ténéfix, vaut mieux lui faire séisme ou cascade, je sais pas. On va partir sur le cascade quand même. Ça reste une valeur sûre, comme on est de type O, ça reste pas mal. Allez. Bien. Ah non. Ah bah parfait, au moins il va pas se soigner avec sa guérison. On l'empêche de soigner avec sa guérison, c'est le plus important. Et je pensais, mais il a pas une capacité genre fermeté, parce que ça lui a vraiment laissé un seul PV. Hein. Bon, après il est pas fragile face au type O, donc bon, c'est pas impossible non plus. Hein. Et voilà, bon, à qui le tour maintenant? Il lui reste un pingoléon et un je ne sais pas quoi. Et un roserad. Bon, on va tenter le séisme. Je pense que ça peut le faire. Hein. Franchement, je pense que ça peut passer. Ouais, il a que... Ah bah non, attends. J'allais dire, il a que de la quatrième génération, mais pas du tout, non? Attends. Donc, il a Roserad, il a un Pingoléon, donc deux de la quatrième génération. Ensuite, il avait qui d'autre? Il avait Ténéfix, donc troisième. Il avait Scarino, donc deuxième. Ouais, rien à voir, en fait. Ah! C'était pas fait exprès, mais du coup... Ah non, j'aurais dû faire... Si j'avais fait séisme, franchement, il aurait pu prendre... Il aurait pris pas mal en face, hein. Bim. Bon, ça va pas lui faire beaucoup de dégâts, mais... au moins, avec le séisme derrière, je pense que je peux le battre. Hein. Ah, je pense que je peux faire quelque chose. Allez, les amis, on y est presque. C'est pas le moment de perdre. Voilà, séisme. Allez, Léviator, s'il te plaît. Ouais, si ça peut me mettre KO, ça. Allez, Léviator, allez, Léviator. Oui. Bien joué. Allez, il ne reste plus que Roserad. 6210, pur, on a dépassé les 6000 d'expérience quand même. Hein. Il y a plus de 6000, c'est énorme. Le maximum, je pense, c'est peut-être quoi, hein, l'euphorie niveau 100. Ça doit être... Oh, bah quoi, attends. Il était endormi et il doit avoir une capacité spéciale, je pense, qui, lors des changements, ça doit le soigner. Je crois que ça existe. Hein. Donc, c'est pas impossible. Genre, natural cure, un truc comme ça, ou medical cure, je sais plus. Il me semble que ça existe, donc c'est pas impossible. Vas-y, reprends des PV, comme ça tu te guérisonnes pas. C'est un mot que j'ai inventé, hein, j'aime bien inventer des mots, bien sûr. Séisme, voilà. Et c'est fini pour notre dernier combat, normalement. Bon, j'en sais rien. Et lui, il nous donne 4771, et il monte niveau 87 quand même, hein. Pas mal. Hein. Avec toute l'expérience qu'il a eu en pas beaucoup de combats, là... Ah, oh, voici les dresseurs forts qu'on trouve à Rancor après tout. Non, ou alors, il y a des dresseurs forts à Rancor après tout. Et le gagnant est Lucie. Oui, on a gagné. Il continue à montrer, à insister avec ce spectacle, tout ça, je sais pas quoi. Mais tu as du talent, tu as mis du temps et des efforts pour élever ton équipe. Et c'est pourquoi tu es allé si loin. Tu as gagné le titre de champion de Rancor, champion des trois régions. Ça doit être une première. Merci pour m'avoir montré Letting Me On. Je sais pas quoi, mes talents contre toi. Notre prochain combat ne sera pas comme ça. Tiens-toi prêt. Regardez les crédits. Oui, on va regarder les crédits. Regardez les crédits va te donner une étoile de dresseur. Mais si vous êtes incapable de sauvegarder, vous allez perdre vos données. Est-ce que tu veux toujours... Si vous êtes incapable de sauvegarder, bah... Non, on va regarder les crédits. C'est bon, on va regarder les crédits, y'a pas de soucis. Bon, en tout cas, c'est la fin de l'aventure principale. C'est pas la fin du jeu complètement, parce que, comme je vous l'avais peut-être dit, oui, si je vous l'ai dit, mais je sais plus trop quand, j'ai l'intention de montrer en vidéo la capture des légendaires, donc faut encore que je réfléchisse pour savoir à quel rythme je fais ça et quand. A priori, je devrais faire ça, genre, un jour par semaine, un jour précis, chaque semaine, ou... Voilà, parce que ça va pas être le truc principal, ça va être maintenant Dark Anime 2 qui sera en principal. Et derrière, il y aura Pokémon Zeta. Donc ce sera pas le principal. Oh, qu'on est beau avec notre équipe, champion de la ligue. On est beau.
Du coup, voilà, vous verrez bien, ça pourra être genre tous les jeudis ou tous les samedis. Peut-être tous les samedis, j'aime bien faire un truc hebdomadaire tous les samedis, j'aime bien. Donc, on fera sûrement ça. Mais, encore que j'y réfléchisse. Oh, un furry son shiny. Directeur Luc Buis. Ouais, Luc Buis. Vas-y, il est directeur du monde, ok. Oh non, mais ça y est, il met tout Luc Buis. Il y a que lui. Ah non, il n'y a pas que lui, ça va. Là, normalement, c'est pas des Pokémon qu'on a eu qui nous montrent. On a eu un Rattata, nous. Ouh là là, on a eu un Rattata. Et Bédi donc. Enfin bon. Ouais, donc je vous remercie d'avoir suivi cette série. Pour ceux peut-être qui. Je fais ça pour ceux qui voudraient pas suivre l'aventure. Enfin, les vidéos sur la capture des légendaires. Donc je fais ce petit au revoir. C'est pas le dernier épisode sur le jeu, mais c'est quand même le dernier épisode de la série principale. Du coup, je sais pas si je mettrai dans le titre fin ou pas. Je sais pas, on va voir. Je sais pas, on va voir. Et puis du coup, je sais pas aussi pour les épisodes sur les Pokémon légendaires, je sais pas comment je vais appeler ça. Genre si bon, si le prochain épisode je l'appelle 42 ou alors si c'est totalement autre chose. Je pense que ce sera autre chose. Enfin, ce sera Pokémon Glaze des légendaires et le nombre des légendaires, il y aura pas de numéro, je pense. Ouais, donc je vais voir. Je vais réfléchir. Enfin bon, je vous remercie parce qu'on a commencé ça il y a longtemps, on avait commencé quand il y avait encore pour Raptor X. Je sais plus quand on avait commencé, je vais regarder. Je vais regarder sur mon portable parce que là je peux pas trop regarder sur internet. Mais on a mis quand même un coup d'accélérateur à partir du moment où j'avais décidé de faire plusieurs épisodes à la suite et d'arrêter de faire alternance avec Dark Rising 2 parce que sinon on n'aurait pas été proche de la fin, on n'y aurait pas été encore. Mais bon, le but c'était pas non plus. Enfin, si, le but c'était de finir un épisode, mais pas dans le sens. Pas de, dans le sens se débarrasser d'un let's play parce qu'il y en a marre. Juste pour pouvoir faire d'autres jeux derrière. Et c'était ça le but. Attends, comment je peux faire playlist? Je crois que j'ai une playlist Pokémon Glaze dedans. Pokémon Glaze, c'est ça. 24 vidéos peut-être, faut que je la mette à jour. Hein. Vraiment que je la mette à jour. Alors, le premier épisode, le 8 février 2015 quand même. Là, je tourne ça le. Je sais même pas quel jour je suis. Le 30 mai. Donc, 3 mois et 22 jours. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Enfin bon. Excusez-moi. Donc, pour ceux qui continueront à suivre les vidéos sur le jeu, sur la capture des légendaires, j'espère que ça en intéressera. Je sais pas trop si ça vous intéresse. Je vais le faire quand même, dans tous les cas, mais. J'espère que ça en intéressera, ça en intéressera parce que il y a eu un let's play Pokémon Glaze dans le français, mais il n'y a pas eu de vidéo sur les Pokémon légendaires. Il y en a en anglais, c'est vrai, mais moi je me suis dit que c'est bien qu'il y en ait en français aussi pour ceux qui y en a qui aiment pas trop les vidéos anglaises. Du coup, voilà, je ferai et puis on verra bien si ça plaît aux gens. On verra bien. The End. Bon, je vais quand même sauvegarder parce que voilà, parce qu'il faut que je sauvegarde, sinon ce sera un peu embêtant. Bon, faut que je fasse A. Ouais, c'est ça. Je vous remercie en tout cas. On va sauvegarder. On va se retrouver où? Oh, dans notre lit. À Glenwood Town? Attends, juste, il se passe quoi? Ouais, ok. Je verrai comment faire pour attraper les Pokémon légendaires. Ça devrait pas poser de soucis. Je vous remercie en tout cas vraiment beaucoup d'avoir été là, de m'avoir suivi. Je suis très content d'avoir eu plusieurs retours, tout ça. Je suis vraiment content du soutien que j'ai eu. Du coup, je vous remercie. Et puis, pour ceux qui ne suivront pas les vidéos sur les Pokémon légendaires, je vous dis à. Peut-être à retour, enfin, on se retrouvera peut-être sur Pokémon Zeta, ou alors sur Dark Rising 2, ou alors pour d'autres choses. Voilà, bon, je vous remercie beaucoup, beaucoup, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, bye!